Plein d'informations qui nous arrivent à longueur de journée. Il y a des informations qu'on retient et il y en a d'autres qu'on laisse partir. Et le souvenir, c'est ce qui reste quand on a oublié tout le reste. Un souvenir, c'est quelque chose qu'on se rappelle depuis longtemps et qu'on a envie de garder. Ça devait être mon papa à l'hôpital quand il faisait froid à l'hôpital, il m'a serré dans ses bras et j'avais chaud, et puis c'est un bon souvenir. Un premier souvenir? Ah là, je me rappelle plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce que t'aimes bien Zidane? Ouais, un peu. Pourquoi? Parce qu'il joue bien. Et c'est tout ce que t'as à dire? Il y a plein d'autres choses. Tu peux les dire si tu veux. Ok. Ils aident des enfants malades. Ils font des associations comme Ella. Sinon, des choses pour son pays aussi. Midi. Marc, on y va? Est-ce que tu t'aimes bien Zidane? Pas trop. Pourquoi? Parce que quand il a donné son coup de boule, il était pas obligé de donner son coup de boule. Hein. Parce que le gars là, l'Italien, il avait engueulé sa sœur. Ah oui, mais quand même, il avait pas qu'à donner un coup de boule. Merci. Guys, est-ce que t'aimes bien Zidane? Ouais. Pourquoi? Parce que il est fort. Est-ce que tu l'aimes bien encore parce que. Ou sinon tu l'aimes pas parce qu'il a fait un coup de boule? J'aime bien ce qu'il a fait un coup de boule. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. On a entendu quelqu'un, mais ça ouvre pas. Ah. Ah. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Un reportage? Nous sommes une colonie de vacances et nous aimerions faire un film. Est-ce que vous voulez bien être filmé? Non, je ne tue pas spécialement. Excusez-moi, mais vous faites quoi? C'est juste pour... Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Excellent. Et toi, t'y crois? Je sais pas. Ça dépend ce qu'on entend par extraterrestre. Tu penses aux fosses, ça peut être aussi bien des forces supérieures, on sait pas. Ouais. T'as une idée, toi, là-dessus? Mais tu veux m'orienter vers quelque chose? Oui. Oui, vas-y, dis-moi alors. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Oui, bien sûr, ça j'ai bien compris, mais tu veux m'orienter vers des extraterrestres, genre les petits hommes verts et tout ça? Ça, j'y crois pas trop, tu sais, maintenant, avec les progrès de la science, on est revenu des martiens, mais bon, après, il y a peut-être des gens qui vivent ailleurs, dans une autre galaxie, mais on les connaît pas et on peut pas savoir. Est-ce que t'as déjà vu une soucoupe volante atterrir? Ah non, non, non. Que dans les films. Je sais que la dame qui habite à côté, Madame Henri, elle sait où il arrive le souterrain. Bon, attention, tout est à prendre à... Parce que c'est une histoire un peu... Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose? Est-ce que... Il y a certainement quelque chose, mais il faut... Monsieur Meuret, vous connaissez Monsieur Meuret? Plutôt mon beau-frère, Monsieur Moulin. Il habite où,
Monsieur Moulin, il habite après le cimetière. Mais la première maison après le cimetière. Une maison que les volets sont peints en vert clair. Tu vois pas? Est-ce que vous connaissez des personnes dans votre entourage? En fait, moi je suis arrivé au mois d'août de l'année dernière. Et j'ai fait connaissance avec la voisine d'en face. Je l'avais invitée pour connaître la personne dans le quartier. Donc, je l'avais invitée à prendre un goûter pour faire connaissance. Parce que c'est vrai que maintenant, on est de plus en plus distants par rapport à ses voisins, tout ça. Et, moi, c'était pour prendre la température de l'étage, voilà. Sinon, ça se passe bien. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci dans le quartier. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Je sais pas. Il t'a l'air de poser des questions. Attends, je dois te poser une question. Est-ce que tu es heureux? Ouais, je suis heureux, moi. Allez, barre-toi. Ouais, je suis heureux. Et pourquoi? Parce que je suis heureux. Eu queria fazer uma pergunta simples e rápida. Se a senhora fosse dona do mundo, como seria o seu mundo? Nossa, tá gravando não, né? Tá. Responder não. Se você fosse dona do mundo, como seria o seu mundo? É pior do que a pergunta do Moisés, né? Como que seria meu mundo? Você pode ajudar a gente, por favor. Uma pessoa que foi metida, eles ajudam. Tudo bem, meu amor? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta pra você aqui. O que você mudaria pra fazer um mundo perfeito? Um mundo perfeito? O mundo já é perfeito. As pessoas que não sabem viver nele, né? Simplesmente, o que eu faria? Ajudaria o seu N'attendez pas d'avoir fait des études en cinéma et de travailler avec un vrai scénario, avec des acteurs, pour faire votre premier film. Vous faisiez quoi, c'est vous ? Filmer un visage, je sais que, je ne dis pas que c'est un film, enfin, moi je pense que ce l'est, mais il n'y a pas une histoire. C'est comme ça qu'on commence à comprendre ce que c'est de filmer. Qu'est-ce que c'est de regarder quelqu'un avec une caméra ? De lui demander de parler, de l'écouter. Choses que j'ai pas fait, ça dépend. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens. Et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Quatrième étage, troisième étage, deuxième étage, premier étage, rez-de-chaussée. Y'en a d'autres qui veulent crier? Oui. Des filles. Bon, vas-y, on peut essayer avec un garçon. Ok. Bah, les filles, il y a des choses en rouge. Avoir un cri de fille.
Bonjour, très chers téléspectateurs. Je suis le réalisateur Léo du film Le temps est compté. J'ai devant moi, en premier, mon cher caméraman Ronan. Et à ma gauche, les deux acteurs de mon film, Gilda et Mohamed. Applaudissons-les. Et c'est eux qui vont tourner, Marc et Julien. Ce seront eux les acteurs. Ils feront ces personnages. Marc et Julien jouent au volleyball sur le joli terrain du Pakistan. Il est 23h. Tout à coup, des branches craquent et ils entendent « Plus que 10 minutes !» Le monstre arrive et les poursuit. Marc et Julien courent si vite qu'ils arrivent en Chine. Nous sommes dans une époque où les Chinois parlent français. Est-ce qu'on peut vous emprunter une tente, s'il vous plaît? Oui, ils louèrent une tente et à peine le temps de s'installer, ils reconnaissent un coup de fil. Une voix ténébreuse dit « 2 minutes, plus que 2 minutes !» Plus que 2 minutes. Un ninja arrive. Ninja ! Le monstre fait fuir le ninja. Et tue Marc et Julien. Moi, je crois que si on fait un premier petit film, je veux dire petit dans le sens court, bref, je pense qu'il faut prendre une histoire simple. Bon, raconter une petite histoire, faire un petit scénario, et puis on filme avec ses copains, ses copines, voilà, si on fait une fiction. On se dépêche de s'en aller de la maison et on l'abandonne. Quand une maison meurt, ou d'une personne disparue et qu'elle est restée inhabitée, une personne qui habite, peut-être qu'elle va s'effondrer un jour. Il n'y aura plus du tout d'habitants dans la ville et la ville s'est plus intéressante pour les habitants. Attendez, moi je vais vous raconter la vraie histoire. Alors, il y était une fois une famille marocaine qui décida de s'installer en France et de construire eux-mêmes leur maison. Pour construire la maison, il faut un terrain. Donc ils achètent un terrain et les matériaux pour commencer la construction. Écoutez les bruits qu'ils faisaient en construisant leur maison. Tous les murs de la maison sont finis. Mais la famille commence à s'inquiéter, car le matériel disparaît, ils entendent des voix bizarres. Lorsque j'avais 8 ans. Bonjour, je m'appelle Jeanne et j'ai 8 ans. Je viens juste de me réveiller d'un cauchemar, c'était terrible en fait. Je sortais de ma maison et j'ai vu une grosse machine. Elle était bizarre, elle était verte. Alors j'ai commencé à courir, je me suis cachée derrière un mur. Puis j'entends « je veux te tuer, je veux te tuer ». Donc je commence à avoir très peur.
Et donc je m'approche pour voir si ma maman elle était là. Et ma maman n'était plus là. Et donc je m'approche pour voir s'il y a mon papa non plus. Et donc ça m'a fait tellement peur. Après j'entends de plus en plus « je vais te tuer ». Alors bonjour, votre nom ? Kwan Thrash, je sais plus quoi. Je voulais savoir, que faisiez-vous hier soir, dans la nuit, ou même la journée ? Aujourd'hui, c'est mercredi, et mon père m'emmène à l'école. Il est pressé parce qu'il est en retard au travail. Ras-le-bol ! Comme il est en retard, il ne fait pas trop attention à moi. Oh, j'ai pas envie d'aller au boulot. Bonjour, mon garçon. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a personne devant le portail. Bah mince, l'école est fermée. Comment ça se fait? La maîtresse est malade? Il y a un jour férié? Ça me fait peur, ça fait des nœuds dans le ventre. Ça me fait des tout petits nœuds dans le ventre. Bah, pourquoi tu t'inquiètes? L'école est fermée, c'est trop bien. Je vais casser la vitre et rentrer dedans. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a demain au cinéma? Alors, à 8h, Nemo. La mère de Nemo se fait manger. Le seul enfant à avoir survécu a été appelé Nemo. Puis, il se fait kidnapper par des plongeurs. Son père le recherche désespérément dans tout l'océan. Cars 2. Il y a une course et Cars gagne contre une Ferrari. Rio. Un oiseau ne sait pas voler. C'est un haras bleu qui se fait adopter par une jeune fille. Terminator. Une machine déguisée en humain envoyée du futur va tuer tout le monde. Je range et puis après je sais plus maintenant, j'ai quand même 88 ans et la mémoire est plus ou moins déficiente. Hein. Alors pour savoir où sont certaines diapos, il me faut du temps. Dans le traitement de la mémoire, il y a ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hippocampe, qui est une petite partie du cerveau, c'est là qu'on stocke les informations. On peut considérer que l'hippocampe est une espèce de bibliothèque dans lequel on va ranger nos informations. Et lorsqu'on en a besoin, on va les récupérer dans l'hippocampe comme on va récupérer un livre dans une bibliothèque quand on en a besoin. Donc il y a une espèce de tri naturel de ce qu'on retient et de ce qu'on ne retient pas. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Le 28. 28. Le numéro 59. Mais Raymond, pourquoi tu sautes? Il n'arrête pas de sauter celui-là. Il est fou. Bonjour Raymond. Bonjour. Bah, qu'est-ce qui vous arrive à sauter comme ça? Ah, ça me plaît comme ça. Bon, la autre chose. Moi, je ne prends pas tellement de chocolat. Parce que c'est plus dur à digérer que les yaourts, c'est des bons yaourts qu'on a alors. Hein. Bah ouais, mais si je mange pas de yaourts, si j'ai pas de yaourts, je mange pas de yaourts, moi, je les aime pas. Mmh.
Chère Madeleine, mon plus grand désir, mon plus grand souhait, mon plus beau rêve s'est enfin réalisé. Je ne peux pas oublier nos 50 années de mariage, mais excuse-moi, j'ai trop attendu pour pouvoir revenir. Rejoins-moi, Raymond. Je m'appelle Thomas, j'ai 7 ans. Et puis je m'adresse à mes grands-parents. Ils habitent où ? Dans quel pays ? Ils habitent à Paris. Dans quelle ville ? Je sais pas. Tu les as jamais vus ? Si. Et quand t'as vu 4 fois ton grand-père, c'était quand ? Quand t'étais petit, grand ? Quand... 3 fois quand j'étais petit et 1 fois quand j'étais grand. Et t'avais quel âge quand t'étais grand ? 6 ans. Mon cher Nicolas, c'est ta grand-mère Louise qui t'écrit une carte postale vidéo. Voici une photo de ma copine Madeleine et moi, devant la maison de retraite de Saint-Joseph. Comme tu vois, ici, nous sommes en plein travaux pour construire de nouvelles chambres. On va tâcher d'y arriver. Pour l'instant, ça ne chauffe pas, mais ça devrait pas tarder. Il va sûrement pleuvoir. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était aussi en juillet, mais l'année dernière. J'espère te voir avec Lucie. Cette année, ta grand-mère Louise qui te fait de gros bisous. Je crois que c'est bien de partir effectivement de quelque chose, de dire je vais filmer quelque chose avec lequel j'ai un rapport, une passion. Ça peut être une photo, parce que vous aimez un acteur, une actrice ou quelqu'un qui est mort, ou peut-être une personne réelle, c'est souvent le cas quand même. Bon, ça peut être de l'amour, ça peut être aussi quelque chose que vous n'aimez pas du tout, évidemment. Bon, je sais pas, moi, vous détestez manger... disons les brocolis ou les chicons, enfin les endives. On vous dit, je vais faire un film sur les endives. Ah voilà. C'est quoi ? Vous allez filmer un gars qui ou une femme qui cultive les endives et vous la partez, vous faites 5 minutes autour de l'endive. Ben moi, quand je pars en vacances, j'amène toujours des objets qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, comme par exemple mon crayon à papier, ma gomme et mon taille-crayon. Mais je les ai oubliés à la maison. Pas de bol. Maintenant, je vais demander aux gens si eux, ils ont des objets qui leur tiennent beaucoup à cœur, si ça a déjà été cassé et s'ils l'ont mis en vacances. Allez, et action ! Est-ce qu'il a déjà été cassé ou... Non. Est-ce qu'il... Il a juste déjà été bloqué sur une caravane. Ou dans un arbre. Oui. Et sur notre tente. Un frisbee coincé dans un arbre. Est-ce que tu veux t'en séparer ou pas ? Non, jamais. Ah, pourquoi ? Parce que c'est précieux. Bah, c'est ma grande sœur qui l'a trouvé dans un lac. Dans le lac. A história da bola de vôlei que não queria ser bola de vôlei. Ai! 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 Não! Ai! Dói! Ai! Não gosto de vôlei! Ai! 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 Por favor! Para! Ai! Estou esvaziando! Essa bola tá furada, não serve mais não. E aí, bola patricinha, como vai? Beck, não chega perto de mim. Você está suja. Quero sair daqui!
il s'est emmêlé dans le fil barbelé. Le zèbre essaye de se démêler. Il vient de la savane. Il s'appelle Johan. C'est un peu triste parce que il est emmêlé. C'est une photo rectangulaire. La couleur du zèbre est noir, blanc et un peu marron sur le dos. C'est pas forcément une photo, bon, le nom m'échappe, une photo extraordinaire, une photo, ouais. C'est une photo qui donne l'image de ce que c'est, quoi. Hein, c'est pas forcément, ça, il y a de très jolies photos, bien sûr, mais enfin, c'est pas la recherche de faire quelque chose d'uniquement beau dans la photo, c'est la photo pour comprendre un texte, quoi. Voilà. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer et échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Je crois que le cinéma, c'est d'abord... Enfin, pour commencer, je trouve que c'est deux choses. La première, c'est enregistrer, essayer de sentir l'existence de ce que vous filmez, que ça vous parle, que c'est là. C'est pas juste comme ça en passant, vous avez vu ça tout d'un coup dans votre caméra. Non, il faut que ça... Je dirais, il faut que ça sorte et que ça vienne vraiment dans votre regard. Qu'est-ce que tu as vu dans le plan que je t'ai montré là, oui, juste avant? C'est un truc du film. Avec les arbres. Du vent. Et ça te fait penser à quoi le vent? Parce que c'est pour faire souffler parce qu'il y a du vent qui fait froid. Parce qu'il y a du vent, parce que ça caille, parce que c'est fait froid, ça. C'est fait le vent qui fait du vent. Filmer la vie, enregistrer, c'est-à-dire pas commencer à vouloir créer des actions et tout ça. Non, enregistrer les choses, voir les choses. Et pas à croire que parce qu'on filme, c'est... Non, il faut bien prendre son temps et regarder dans la caméra et attendre que la chose que vous filmez vous apparaisse comme vivante, comme... Ah oui, elle existe. Être passif, si vous voulez, pas tout le temps être actif. Et aujourd'hui, on est tout le temps actif. On veut tout le temps participer à l'ordinateur, tac, tac, on joue avec les trucs. C'est bien.
Mais c'est, le cinéma, pour moi, c'est d'abord voir quelque chose. Voir. Sableux, ciel bleu. Révolté. Survolté, disons. Mais j'ai pensé à une tempête. Rythmée et entraînante, quoi. Elle provoque la nervosité. Mais enfin calmée et apaisée, enfin libre. Je ne peux pas trouver de nom pour le désigner. C'est du bruit pour moi. Alors, je voudrais expliquer un tout petit peu. En fait, ce groupe-là, du village, aimerait que ce soit vous qui fassiez le clip de leur chanson, c'est-à-dire faire l'image. Odette, sortez, Odette. Vous voulez que j'aille lui dire ? Sortez. Non, c'est bon, Denis. Odette, c'est bon ? En train de faire du cinéma là. Oui, okay, bon. Ben, c'est bien. Ah, c'est bien ça de faire du cinéma. J'ai lavé les pattes. Ah, j'ai oublié les assiettes. Oh là là, il y a les assiettes dans le fond. Oh, le cachetier. Oh, le cachetier. Il m'a caché les assiettes dans le fond. Oh, je te le dis, tu vois. Oh, ça va plus, ça. Tu n'as qu'à faire toute ta journée. Tu n'en fais pas lourd, hein. Je regarde le Tour de France. Ah oui, ben moi aussi. Samedi soir, t'es libre. T'apportes une bouteille de rosé quand même, hein. Sinon, c'est pas de charme. Bon, mes petits-enfants, je vais vous laisser parce que monsieur, il ne parle pas, il est timide. Tu aimes ta femme, toi, hein? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu n'oses pas parler? T'es con, toi, merde. Oh, les gens du Nord. Pas de calais. Alors, tu m'as pas répondu, hein? Là, parce que t'as pas... Hey, 54 ans de mariage. Oh, faut aimer son monde. Ah, ben, moi aussi, bientôt 50 ans, je vais avoir la meilleure du désert. Et votre métier, c'est quoi, votre métier? On peut dire il y a deux, pour l'instant. Ben, je cherche la couture, mais pour l'instant, je fais le ménage. D'accord. C'est pour ça que mes mains sont... Ok. Le ménage, ça attaque. Oui, je supporte pas les gants, alors je suis obligée de faire comme ça. Je pense que la plupart des femmes, c'est comme ça. On supporte pas. Dès que je mets les gants, ça, et ça commence à me... Je gratte partout.
c'est important, un entretien, même quand juste avec des gens comme ça, vous montrez vos mains. C'est... Mais moi, j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu un entretien. J'ai travaillé avec des particuliers, un entretien avec du café, on s'assoit. Ah, on a la chance. Mais sinon, c'est la première fois que j'ai eu des entretiens là, avec des patrons. Des vrais, ça fait peur. Hein. Ouais. Excusez-moi, est-ce que je peux changer la couleur de oui. Bordeaux, là, celui-là. Celui-ci, les deux ouais. Comme ça. Tiens. Salut, Olivier. T'es là, là, toi. Bah ouais, qui écoute. Oh, bah, bonsoir. On est bien ici. C'est pas comme s'il y avait un peu de vent. Sur moi, là. L'instrument. Ouais. Je te montre. T'entends par là. Et je te montre. Ah bah je sais pas, vas-y montre-moi ce que tu entends par là. Merde. Alors là j'ai mis ça pour pas me blesser. D'accord. Ça? C'est un diapason? Voilà. C'est une fourchette de chef ça. D'accord. Et ça c'est ma fourchette que j'ai depuis l'école hôtelière. D'accord. Et je travaille avec depuis donc bientôt 26 ans. D'accord. D'accord. Et pas de bol, tu vois, elle était en bac élite là. Mm-hmm. Elle avait un manche tout à fait normal. Et puis, comme toi tu travailles le bois, je me suis dit, est-ce que toi, tu serais capable de me refaire en bois bien sûr, hein. Le manche? Oui, ça peut être fait avec du buis. Par exemple. Denis, j'ai l'impression que tu as un métier stressant. Peut-être. Dans certains cas, oui, ça peut le devenir. C'est le planning, hein. Comment ? C'est le planning qui devra gérer. C'est vrai. Surtout actuellement, il y a un petit peu de temps à consacrer. La table du violon. On appelle la table d'harmonie. C'est de l'épicéa. Le fond, les éclisses et le manche, c'est en érable. Donc là, on le voit, c'est un érable qui est un érable ondé. Donc c'est vraiment une formation naturelle du bois qui fait qu'effectivement, il y a des petites vagues qui se forment et qui, évidemment, au niveau de la lumière, transmettent la lumière comme ça. Bonjour. Bonjour. Kamara Amok. Toi? Mohamed Isham, Mohamed Hussein. Toi, tu connais comme ça? Un petit peu. Comme ça? Un petit peu comme ça. Non, comme ça. Comme ça, tu connais? Un petit peu. Ok. Comment tu es arrivé ici? Mon voyage, c'était long. Comme il pleure. Hitande ujunere temedde jeenay capanɗe jeenay waɗi hare mawnde hakkunde safalɓe fulɓe waɗi hedde duuɓi sappo. Ko kamɓe safalɓe ɓe puisque ko kamɓe jogii nguurdam moƴƴam e nder leydi hee puisque kamɓe keedi fof. Ko ɗum waɗi Muritani mi heɓata toon ko fodde potmi heɓde toon. Bon, ko ɗum waɗi ngimmimi toon. Oy nde ngarmi Dakar ene heewi électricité, ene waɗi lampa, ene waɗi fof jiida e melga. La grande question, c'est qu'est-ce que je vais cacher, qu'est-ce que je vais montrer? C'est-à-dire, si je dis
je filme ça, pourquoi est-ce que je filme ça et pas ça plus ça? Qu'est-ce que je veux filmer? Pourquoi est-ce que ça, je ne le montre pas? Ah, parce que, je ne sais pas, ça peut être pour plein de raisons. Parce que je veux faire une surprise, montrer après, faire un petit mouvement avec ma caméra, et puis après, tac, on voit qu'il y a quelque chose de surprenant. Parce que quand je montre quelque chose, quand je filme quelque chose qui est dans mon cadre, ça veut dire en même temps que le reste, je l'exclus. Donc je dois choisir ce que je filme. Et en cinéma, on doit tout le temps choisir. C'est un peu fatigant. Il faut tout le temps choisir. Je vais vous présenter ma carte de vie. Mais déjà, je me présente. Moi, c'est Dossa Edwige. Et le métier que je vais exercer d'ici quelques mois, c'est auxiliaire de puériculture. Et là, la première carte que je fais, je représente mon pays, la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, je suis allée dans pas mal de pays africains, comme le Bénin, le Ghana, le Togo. Et plus tard, rentrée en France, j'ai vécu en Corse. Après la naissance de Christabella, qui m'a donné envie de me lancer, enfin, j'ai fait une reconversion. J'ai complètement changé de métier. Je me suis lancée dans la petite enfance. Alors, j'ai passé un CAP petite enfance. Et au fur et à mesure de tous les stages que j'ai faits, ça me donne à chaque fois envie d'aller plus loin dans ce métier parce que parce qu'on apprend toujours finalement. On pense tout connaître de l'enfant, mais non. C'est toujours des découvertes. Quand vous êtes dans le cadre de l'espoir, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le cadre de l'espoir, 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 vous êtes dans ډوډۍ به چرته خورو ډېره پوه شو لږه ډېره خو چې چرته به یې خورو ډوډۍ چرته به دا وکړو نور چې اوبه لمبل دا به څه کړو خو زه ګورو چې څه کېږي پوه شو دلته ته ورېږه لږ شاندې کېنو چې څه کېږي Laisse-toi distraire. Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu en as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille. Donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails. Pars où il n'y a personne. Toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. C'est Josette qui vous appelle du restaurant de monsieur et madame Falour.
parce que on aurait bien besoin de Sœur Marie-Thérèse si elle pouvait se libérer. Oui, c'est ça, oui. La sorcière fait son atelier. Ben, les bruits, les on fait un bruit, lui, là-bas. Oui, vous permettez qu'on vous envahisse comme mais ça. Mais venez donc, elle va venir. Venez au chaud. Dans les endroits habituels, là, j'étais en train de... Bonjour. Bonjour aussi. Elle va vous apprendre un cantique parce qu'elle chante très bien. Bon, ça passe sympa. Bon, on va prendre un autre chemin. Au bout de votre porte. Attention, vous allez la casser, c'est tout ce que vous allez faire. Parce que le début de la chapelle Ribou, c'est pour là, c'était à la chapelle de Longavette. Hein. C'était déjà la chapelle Sainte-Marie. Hein. Et les terres de la chapelle ont été achetées par le sieur Ribou. C'est pour cela que la commune s'appelle la chapelle au Ribou. In the middle of nowhere, a typical weekday. One of many delicious five-course meals is being prepared. At the table, we're in deep conversation. Fuck you, you're French. You need... And you're El Siete? You need compota y queso. Fromage, pour toi. Fromage, yes. I already you've eat. Got it. I already eat. And wine. You ready? We are 10 EVS volunteers from Germany, Italy, Spain, Portugal, Russia and Greece. You now have an idea of what our camp life is like. But where the fuck are we? During the first few days, we've been making new acquaintances already. However, communication has not always been as easy as you would imagine it to be. So what next then? As a result, we decided to explore our region and get to know some fellow humans. Papa Roland, tout le temps, si moi je passe ici, je vois Papa Roland ici au tabac à La Fontaine. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici à La Fontaine? Ben, je viens voir les copains passer un moment. Mais papa Roland, toi, tu n'es pas raciste. Non. Tu discutes avec les gens du CADA, tu manges aussi avec les gens du CADA, tu fais tout avec les gens du CADA. Oui. Mais ici, au village, papa oui. Roland, tu es avec des copains et des copines oui. Ici au Perlevade. Oui, je pense qu'il y en a qui sont peut-être. Je sais pas, c'est pas du racisme. Ils sont peut-être timides, ils n'osent pas parler, je sais pas. Là, c'est très très dur à répondre pour ça. C'est à eux de voir, c'est à eux de se décliner, c'est à eux de faire quelque chose. Moi, bien souvent, je leur dis, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Leur dis-moi. C'est pas... J'ai beau leur dire ce qu'ils veulent, ils sont libres, mais enfin, bon, on vous a accepté, vous êtes venus, on vous a accepté, on doit vous respecter comme on respecte tout le monde, c'est tout. Tu veux une blague à deux balles? Le cinéma fonctionnait toujours et tout le monde venait au cinéma, c'était le seul plaisir des Chapelois. Donc on venait régulièrement au cinéma et puis quand le cinéma était fini, les jeunes allaient au cinéma plus loin.
Et mon père, à l'époque, était chauffeur de taxi. Bon, la Chapelle Auribeau, c'était pour l'abondance, mais il transportait les jeunes au cinéma à Mayenne. Alors pour l'association TACPP, Tradition et Action Culturelle du Pays de Paille, nous numérisons des anciens films 8 et Super 8 afin de conserver la mémoire des images d'antan. Vous avez présentement un film de Prend en Paille des années 1975. Alors le dispositif de numérisation est un petit peu bricolage, mais c'est un peu le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le faire. C'est un projecteur avec une caméra qui filme directement dans l'objectif du projecteur et la lampe d'origine est remplacée par une tête couleur d'agrandisseur qui amène la lumière derrière le film grâce à de la fibre optique. C'est petit, mais c'est vrai. Ah oui, c'est tout petit. Ouais. Pirelevad is a very beautiful place. Here there is a beautiful lake and island, little island. And now we come to this island. Little bridge. Pap, мы нашли мальков. My daughter said, but they find a little fish. Где? Вон. Oh. Very often people come here and fishing because in this lake live different kinds of fish. Here is chair for people who want to rest and think about life. Si maintenant, pour des raisons X ou Y, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est préoccupé par autre chose, on range pas bien le livre dans la bibliothèque, eh ben on aura du mal à le retrouver. Donc le trou de mémoire, c'est ça. En fait, on a eu une information, on n'était pas dans une disposition telle qu'on a bien pu la classer dans notre mémoire. Et quand on veut la récupérer, eh ben on ne sait plus la récupérer, et c'est ce qu'on appelle un trou de mémoire. C'est des bons moments ou des mauvais moments qui te restent gravés. Il suffit juste qu'on te les remémore ou qu'on te donne un petit point sur ton souvenir et puis ça revient tout seul. Bah, quelquefois, on parle de ça avec quelqu'un et puis après, ça, on s'en souvient et après, ça reste. Action. Et on saute.
J'espère que ce film vous a plu.